Bonjour à tous et à toutes, nous voici pour une nouvelle vidéo sur Star Stable, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et tout de suite donc on parle des actualités du 8 mai. Donc ils ont eu un objectif, c'est de peaufiner l'expérience de joueuse et d'améliorer la narration. Voilà sur quoi ils ont travaillé pour cette mise à jour. Donc malheureusement je ne pourrai pas vous montrer parce que en fait ce sont des missions qui sont disponibles que pour les joueurs qui sont débutants, enfin qui débutent l'histoire. Alors une des premières missions où Tam te demande ton aide pour trouver Loretta. Une autre mission au début de ton aventure à Yorvik, rencontre Thomas, Madame Horsworth et Jasper. Nous avons aussi déplacé Syndra plus près de l'écurie Moorland pour qu'elle soit plus facile à trouver lorsqu'elle est présentée aux nouveaux joueurs. Enfin, aux nouveaux joueurs, parce qu'ils disent nouvelles joueuses, mais en gros, il n'y a pas que des filles hein, qui jouent à Star Stable. Prépare-toi une révision visuelle des courses des Bobsled Girls. Tu seras immergé dans une ambiance bien distincte pour affûter ton esprit de compétition. Alors les missions sont seulement disponibles pour les joueuses qui sont au tout début de leur aventure à Yorvik, mais les courses seront mises à jour pour tout le monde. Donc déjà ça c'est cool. Et donc ils ont implémenté le trot assis. Tu en as marre de toujours faire du trot enlevé. Et si tu profitais simplement de la balade en t'asseyant. La fonctionnalité de trot assis est maintenant disponible comme récompense de niveau lorsque les chevaux atteignent le niveau 4. Donc hop. Voilà, le trot assis, niveau 4. Le trot assis peut être déclenché via le menu radial sur l'ordinateur ou sur le mobile. Sur ordinateur, la fonctionnalité de trot assis peut aussi être déclenchée en appuyant donc sur CTRL. Hop. Donc là, je trotte enlevé et là je trotte assis et vous appuyez autant que vous voulez. Par contre, quand en fait vous allez au galop et vous retournez au trot, ça reste. Ça, en fait, à chaque fois que vous voulez faire du trot enlevé, et bah hop, il faut rappuyer sur le bouton. D'ailleurs, je n'ai pas testé. Est-ce que si je saute... Est-ce que si... Oui, si je saute, mon personnage reste assis. C'était bien ça. Appuyer sur cette touche, donc CTRL. Lorsque cheval est au trot, si le trot assis est actif, appuyer à nouveau sur donc CTRL fera revenir la joueuse et le cheval au trot normal. Et donc pour finir, donc cette fois-ci il va falloir que j'aille sur ma petite page internet. Hop, alors excusez-moi. Hop, toc. Et donc nous avons une grande nouvelle, la page chevaux est maintenant traduite en français. Va vite la découvrir. Alors hop, on va appuyer. Et donc voilà, ça vous dit tous les chevaux implémentés dans le jeu. Alors, ils sont pas tous, mais il y a quand même une grande partie. Donc voilà, si vous voulez, je sais pas, on va... tiens, le Tennessee Walker, hop. Et voilà, vous savez quel type de... Si c'est un cheval ou un poney, le niveau minimum requis pour l'acheter, son prix. Et bien évidemment... voilà, en plus, ils disent quelle est la génération. Et où a été créée la race. Donc voilà. Et un petit peu de lore, ça c'est cool. Il y a toutes les variations de robes que vous pouvez voir. Et après, bah, c'est à vous hop, de regarder les dead. Tiens, le Quarter Horse. Hop. Donc voilà, ça vous fait quand même un petit peu de lecture. C'est sympathique à voir. Enfin, j'ai dit créer. Non, c'est là où il est sur... dans le jeu, pardon. Pourquoi j'ai dit créer. J'allais dire, je fais... oui, c'est Orange Starshine, oui. Je sais pas pourquoi je dis où a été créée la race. Donc voilà, au moins c'est pratique. Vous savez où il peut être dans le jeu en vente. Après, je sais qu'il y en a certains, ils sont dans plusieurs... je crois que... Non, le seul français, ouais, il dit Silverglade, le manoir de Silverglade. Par contre, ça n'a pas été traduit. Le nom de la map en anglais. Mais je sais qu'il y a certains chevaux, ils sont à plusieurs endroits. Et voilà, en plus... Ah, bah lui, il n'y a pas d'endroit. Et là, une de nos nombreuses variations d'autres arrive bientôt. Hein. Voilà, le Marwari est juste une image. Très jolie d'ailleurs, mais... Voilà, c'est pour dire que petit à petit, ils implémentent donc la page
pour qu'on puisse savoir un petit peu plus sur les chevaux et pas être en galère en mode ah, purée, ce cheval-là, on lâchait tout. Donc ça, c'est sympathique. Et donc la semaine prochaine, c'est sort tes bottes de cow-boy du placard. Bon, moi, c'est déjà fait depuis la semaine dernière. Parce que le camp western fait un retour triomphal en même temps que le cheval de sel américain. Donc ça veut dire que ça va être le retour des loups. Je sens bien. On verra bien. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.